Depuis qu'elle est de retour en pleine forme sur le rocher, Charlène de Monaco est plus active que jamais. La mère de Jacques et Gabriella enchaîne les visites caritatives. Le 4 juillet dernier, elle était au centre hospitalier Princesse Grâce. 20 jours plus tard, les pensionnaires d'une maison de retraite recevaient sa visite. Un emploi du temps de Princesse qu'elle documente sur son compte Instagram. Mais ce vendredi 2 septembre, Charlène de Monaco a posté une photo d'un tout autre genre sur son compte. Attention, âme sensible, s'abstenir. La princesse a révélé à ses followers des clichés de ses enfants après qu'ils se soient eux-mêmes coupés les cheveux. Un ratage total mais craquant à souhait que la mère, certes dépitée, commente ainsi, Gabriella s'est offert, ainsi qu'à son frère, une nouvelle coupe de cheveux. Impatiente que l'école reprenne lundi. 11 heures plus tard, le post comptabilisait près de 26 000 likes, en plus de 1300 commentaires savoureux, ma sœur et moi avons fait la même chose, immortalisé pour toujours sur une photo d'école, oh mon dieu, ça va être drôle quand il ira à l'école avec cette nouvelle coupe. Jamais un dérapage capillaire n'aura été tant remarqué sur le rocher. Cette rare confidence de Charlène de Monaco si est-il une princesse apaisée qui a ouvert son cœur au micro du média sud-africain News 24 il y a peu. Charlène de Monaco s'est confiée sur la maladie dont elle a souffert au mois d'août. J'ai traversé une période très difficile, mais j'ai eu la chance d'être soutenue et aimée par mon mari, mes enfants et ma famille, d'où je puise toute ma force. Je me sens beaucoup plus forte physiquement. La route a été longue, difficile et douloureuse. Je ne veux pas aller trop vite. Requinquée et totalement dévouée à ses projets personnels et à ses enfants, Charlène de Monaco accompagnera certainement ses deux garnements sur le chemin de l'école ce lundi 5 septembre.